Sous Bopal, pasteur Jacques Louis, vice-président Union évangélique baptiste d'Haïti, yon nan moun ki te kon travay ak defen an fè konnen, le ou te apren nouvel nan mort sauvage pasteur Serleus Simon an, découragement ak sentiment vengeance te envahi kay yo. Pasteur a continué pour souligner, leader évangélique là, te yon moun ki te mette tout temps ak énergie nan service bon Dieu. Jacques Louis pat manke rappelé yon série qualité pasteur Simon te gagné la kayli pendant le profiter ajouté disparition brutale liya la gen yon gros vide nan mission an li tap dirije depuis 2 ans alors que li te gagné un mandat 5 l'année. Pasteur Jacques Louis toujours nan micro Emmanuel Tolembrina ak Mackenson Paul. Nous a quitté dans des circonstances troublantes et effrayantes qui soulèvent l'indignation de toute conscience d'homme. Il était âgé de 56 ans. Lorsque la nouvelle de l'assassinat ignoble de notre frère nous est parvenue, nous étions comme plongés dans un mauvais rêve. Nous étions partagés entre le déni, l'indignation, la révolte, l'impuissance, la peur, le désir de vengeance, le découragement. Il avait mis à notre service et au service de l'évangile de Jésus-Christ son humble serviteur, Serleus Simon, qui nous a dénoncé dans la gloire. Pendant son court pèlerinage sur la terre, Serleus s'est consacré avec enthousiasme et détermination à la cause des autres. Il a mis toute sa compétence et son énergie pour servir l'Église haïtienne. Nous pouvons citer à titre d'exemple qu'il a servi comme pasteur à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, à l'Église Baptiste Bethel de Couronne, à l'Église Évangélique de Nazon, à l'Église Évangélique Baptiste Missionnaire de Bernier. Il a aussi servi comme leader dans la Fédération des associations de jeunesse de l'UEBH. Il a travaillé comme censeur au collège Maranatha à Bolos. Plusieurs fois élu vice-président, il a servi dignement l'UEBH comme président élu à partir de janvier 2012 pour un mandat de 5 ans.